Bien sport, le Taekwondo Victoire Club, en collaboration avec la Ligue de la dite discipline, a organisé un challenge réservé aux jeunes âgés de 5 à 15 ans. Cette compétition vise à détecter des pépinières pour redynamiser le Taekwondo au Tchad. Kat Noubaté au fil. 51 enfants passionnés de taekwondo, âgés de 5 à 15 ans, ont pris part à cette toute première édition du challenge Bébé Champion. Ces enfants, répartis en 5 équipes auxquelles on a attribué le nom des pays, ont combattu dans des catégories différentes. Les plus petits, âgés de 5 à 10 ans, se sont affrontés en catégorie minime. Ceux, âgés de 11 à 15 ans chez les garçons, ont compétit dans la catégorie coq et les filles de cette tranche d'âge ont livré des combats en catégorie poule. Des combats individuels et en équipe qui ont permis de découvrir l'habileté, l'équilibre qui sont les fondements des arts martiaux d'origine japonaise à l'exemple du taekwondo. Cette première édition du challenge Bébé Champion est marquée également par des démonstrations de nouvelles techniques de combat individuel et imaginaire appelées Pumsi. Une technique qui exige du pratiquant de la concentration, du rythme, de la puissance, du regard. Pour le président du comité d'organisation, cette initiative vise à détecter des pépinières afin de redynamiser le taekwondo tchadien. La détection et le suivi des athlètes dès leur bas âge. La présentation aux parents de ce que leurs enfants sont capables de faire. Acquisition du professionnalisme par les maîtres et encadreurs de TVC dans l'organisation technique des activités de masse et des innovations dans l'art. Maître Jindo Nekaim Roger, fondateur de Taekwondo Victor Club, qui a précisé que la création de cette structure sportive est née de la volonté de lier des relations amicales, des solidarités indéfectibles, demande aux bonnes volontés d'aider cet art martial à prendre son envol au pays de Toumaï.